Bonjour les amis, c'est Olivier Lebelge. Oui, vous aimez quand je parle dans ma nouvelle glacière. Nous sommes au Salon Lyon et nous sommes chez HJC, qui est numéro 1 dans le monde, je viens d'apprendre. C'est ça, le plus gros fabricant de casques au monde. Donc c'est quand même spectaculaire. Alors on va vraiment visiter un petit peu ce stand et voir les nouveautés 2024 que HJC nous présente. Je te suis. Suis-toi. On peut commencer par le F71 qui est une nouveauté. C'est un modèle sport touring, donc un modèle dédié au long voyage, équipé d'un écran solaire qui est d'ailleurs ajustable en trois positions pour s'adapter à la morphologie de chaque personne. Il est aussi prédisposé pour mettre un intercom qu'on peut mettre en lieu et place ici, simplement le clipser. Un intérieur entièrement démontable, lavable, une boucle double D en titanium, l'intérieur démontable, je l'ai dit, petite bavette, voilà, un casque en carbone, donc du coup très léger, et un modèle sport touring. Sport touring. Et donc effectivement, comme tu l'as précisé, donc la petite sangle double D, ce qui veut dire que c'est adapté également pour le circuit. Exactement, c'est pour ça qu'on dit sport touring. Tu peux à la fois faire du circuit, puisque la boucle de double D est requise. Et voilà. Et à la fois avec l'écran solaire, c'est un casque qui peut être aussi utilisé sur un long voyage, un road trip. Effectivement, l'écran solaire apporte ce confort-là. Une idée comme ça, brûle pour point du poids? Je vais te le donner précisément, 1,4 kg en taille large. Donc après, forcément, plus le casque est petit, plus le casque est léger. On est sur un poids très, très léger pour du carbone. Tout à fait, bien sûr. Et on est bien entendu dans les nouvelles normes. Bien évidemment, en 2206, les dernières normes en vigueur. Et je rajoute qu'il est livré également avec le Pinlock, qui est le système anti-buée, qui permet effectivement de ne pas avoir de buée sur l'écran. Ouais. Ça, c'est vraiment top. Alors, autre nouveauté, on passe au stand suivant. On est suivi par la caméra. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sport. On est vraiment sur du 100% sport. C'est vraiment une déclinaison de nos casques de course, de nos pilotes. Donc, pas d'intercom, pas d'écran solaire, le plus petit, le plus compact possible. Par contre, avec des spécificités, on a un système qui permet de mettre les tear-off, ces films transparents qui permettent de garder l'écran propre. Après, on est sur un intérieur beaucoup plus ferme, beaucoup plus sport. Il est toutefois livré dans la boîte avec un écran fumé foncé. Tu sais qu'on ne peut pas rouler avec un écran fumé foncé, mais on le livre dans la boîte justement pour les gens qui font du circuit. Bien évidemment, également avec le Pinlock. Et là, on est sur un poids beaucoup plus léger, on est sur 1,250 kg. Ah ouais. Grosse différence, mais donc il faut souvent le répéter, le rappeler. Sachez qu'un casque qui est prévu pour la piste sera toujours un casque qui est un petit peu plus bruyant qu'un casque... Tout à fait. Et d'autant plus en carbone, qui est une matière qui rentre un peu plus en résonance, en vibration. Donc pour le confort, on dit quand même rouler avec des petits bouchons et ça sera beaucoup plus confortable. Okay. On peut difficilement... C'est toujours des histoires de compromis. Entre la légèreté du casque et la sonorisation, il faut faire des choix. C'est comme la moto parfaite, elle n'existe pas, il faut en avoir plusieurs. C'est un peu notre grand problème avec nos multiples motos dans tous les garages. Alors, troisième nouveauté. On est sur un concept complètement différent avec le casque, ce qu'on appelle le casque modulable, donc qui est à la fois un casque intégral en position fermée et avec la double homologation PJ, on peut également envisager de rouler ouvert. C'est un casque qui est à la fois sur du grand rouleur et aussi de l'urbain, qui permet effectivement, soit au feu rouge, soit quand on a une vitesse très, très petite en ville, de rouler en version, je dirais, jet, pour avoir un petit peu plus d'air, etc. On retrouve les fondamentaux avec l'écran solaire qui s'adapte à la morphologie. Ouais. On retrouve la prédisposition pour le Bluetooth, l'intercom. On peut éventuellement verrouiller la mentonnière. Certains l'utilisent sur des gros trails pour faire un peu de tout terrain. Donc la mentonnière là est fixe. On peut la déverrouiller et là le casque se ferme. On a travaillé sur la compacité du casque en position ouverte. Vous pouvez voir qu'on est sur un casque qui est très petit, avec peu de prise au vent. Donc ça permet effectivement de rouler ouvert.
On a soigné des petits détails comme là par exemple des caches qui empêchent des bruits d'air, des sifflements, etc. Une grande collerette avec des appendices qui permettent d'isoler vraiment le casque. Et là, on a vraiment travaillé, à contrario du casque sport, sur l'insonorisation, sur le confort. Et on est sur un casque qui est à la fois léger par le carbone et quand même très confortable. C'est vrai qu'il est très très beau. Et c'est vrai qu'il faut toujours vous le dire, n'oubliez jamais qu'un casque plus vous allez avoir d'appendices qui sortent de tous les côtés, plus ça va être bruyant. Donc n'oubliez pas, alors il y a des très chouettes casques où vous avez la mentonnière que vous pouvez mettre derrière, etc. Ça représente du bruit. Il faut vous dire que plus il y a de pièces en mouvement, plus ça représente du bruit. Alors on va terminer. Ah ben non, on ne va pas terminer. On va aller vers un peu le côté design. Voilà, on va aller voir les nouvelles déco. Alors, c'est vrai qu'AJC est quand même partenaire de quelques pilotes. On est partenaire de quelques pilotes, entre autres, on n'est pas Chauvin, mais de Fabio, pilote français. Et on a une autre casquette, c'est qu'on a développé beaucoup de collaborations avec du Marvel, avec Squid Game, avec toutes ces séries, où on apporte effectivement des designs très, très originaux. On a aussi une licence avec Red Bull, on a du Joker, on a du Monster avec une autre version du casque de Fabio. Voilà. On essaye d'apporter effectivement dans la recherche de design et d'apporter des choses un peu originales. Et donc comme tu me l'as précisé tout à l'heure, effectivement tout ce qui est visière iridium, visière fumée, tout ça, c'est uniquement... C'est pour faire joli, mais pas pour rouler avec. C'est un petit peu interdit. Alors, dernière question, c'est vrai qu'on se posait la question en Belgique. Est-ce qu'en France, on est toujours obligé de coller les petits autocollants ? Oui, toujours. C'est une spécificité franco-française. Effectivement, on se doit d'apposer 4 stickers réfléchissants, 2 sur le côté, 1 sur le front, 1 derrière. C'est une spécificité française par rapport à tout le marché européen. En Allemagne, ils n'en ont pas bien, en Espagne, chez vous non plus. Mais effectivement, en France, c'est un prérequis et il faut mettre ces stickers réfléchissants. Ouais. Ah ben voilà. Ah ben, un grand, grand merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. Et puis n'hésite pas à venir sur la page Joli le Belge. Hein, bon salon de t'abonner. Merci. Merci. Ciao. Hein. Ciao.